C'est mon grand plaisir d'abord de remercier chaleureusement Jean-Luc Martinez, président directeur du Musée du Louvre, et Dominique Defont-Réau, directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre, de m'avoir lancé l'invitation d'occuper la chaire du Louvre. C'est un grand honneur. Un grand honneur, mais, il faut le dire, un peu terrifiant en même temps. Surtout à la lumière de l'éminence des collègues estimés qui ont occupé cette chaire avant moi. Cet honneur extraordinaire avec les possibilités d'exploration et d'expérimentation intellectuelle qu'il offre est dû à la générosité d'Henri Schiller, maison fondateur de cette chaire. J'ai une grande dette de reconnaissance envers les collègues du Louvre qui ont consacré tant de temps avec tant d'enthousiasme à la réalisation de ce projet. Je remercie surtout Monica Preti, coordinatrice scientifique de la chaire du Louvre, et Yannick Lintz, conservatrice générale et directrice du département des arts de l'islam. Ma gratitude va également à Yukiko Kamijima pour son aide à tant d'occasions et d'avoir répondu à beaucoup des emails. Au sein du département de l'art de l'islam, des remerciements particuliers vont à Monique Borrezi et Karine Jouvin, et surtout à Annabelle Collinet qui m'a aidé à plusieurs reprises et qui est responsable de la merveilleuse petite exposition d'objets dont je vais parler, maintenant exposé dans les galeries de l'art islamique. Il faut le visiter. Je voudrais aussi remercier Hélène Bendejac pour les photos et Thierry Contin pour le teaser formidable qu'il a créé. Pour le livre qui accompagne ces conférences, les remerciements vont aux éditeurs Violin Bouvet-Lancel de Louvre Édition et Jérôme Gilles de Hazen. Je dois une dette spéciale à Anna Bertaccini-Tadini et Katia de Azevedo pour leur effort herculéen à toutes les étapes du livre et à Christophe Ibach pour ses travaux sur les images. Merci à tous d'être venus ce soir, surtout ceux qui ont voyagé pour être ici. J'espère que malgré l'accent, tout sera compréhensible pour vous. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est commencer par présenter le sujet et aborder le titre peut-être étrange et paradoxal de ces conférences qui a été tant discuté et débattu. Pour ce faire, je souhaite aborder l'histoire d'un seul exemple de ce que j'appelle des technologies de dévotion avant de me tourner vers la fin pour discuter des implications du titre pour le reste de la série de conférences. En 1581, le célèbre qadi ou juge Al-Ghib, connu pour son immense érudition, rentre chez lui à Tombouctou, centre célèbre de l'érudition islamique en Afrique occidentale, après avoir effectué son pèlerinage à la Mecque. El-Khib est bien sûr loin d'être le premier à entreprendre ce périple. En faisant le Hajj, le pèlerinage obligatoire au cœur sacré de l'islam, il a suivi les traces d'innombrables générations antérieures de musulmans d'Afrique de l'Ouest. Parmi les plus célèbres se trouve Moussa I de l'Empire du Mali, connu sous le nom de Mansa Moussa, dont le pèlerinage à la Mecque en 1324 est entré dans la légende grâce aux richesses qu'il a emportées avec lui et qu'il a généreusement distribuées tout au long de son voyage. À tel point que l'afflux soudain de or, alors que le Mansa faisait étape au Caire, y avait provoqué une dévaluation du prix de or qui durait une décennie entière. Cet événement a été immortalisé par une image maintenant bien connue dans l'Atlas catalan achevé en 1375. Dans cette image, on voit la Mansa qui trône sur l'Afrique occidentale, une pièce d'or à la main.
Le choix de Massimo de transporter de telles quantités d'or témoigne de la nécessité pour les pèlerins de prévoir des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins au cours de ces longs allers-retours entre l'Afrique occidentale et l'Arabie, pouvant prendre environ 12 et parfois 3. À son retour à Tombouctou en 1325, Mansour Moussa y ordonne la construction de sa grande mosquée. De même, de retour à Tombouctou après son voyage à la Mecque plus tard, en 1521, soit 60 ans plus tard, le juge Al-Aqib a ordonné lui aussi la construction ou la reconstruction de plusieurs mosquées, y compris la mosquée de Saint-Coré, ici, qui abritait une madrasa, autre lieu d'enseignement, qui figurait parmi les plus importants en Afrique occidentale. Or, cette reconstruction a été entreprise à l'aide d'un précieux souvenir que le juge avait emporté avec lui depuis le Mecque, une longueur de ficelle ou de corde. Selon les historiens de la ville de Tombouctou, ce bout de cordon aurait joué un rôle fondamental dans la reconstruction de la mosquée de Saint-Coré, en véhiculant avec elle une partie de l'or sacré du sanctuaire de la Mecque. Le désir de rattacher les sites en Afrique de l'Ouest au centre sacré de l'islam, ici, se retrouve parfois dans le fait qu'une mosquée ou un village porte le nom de la Mecque. Mais dans le cas d'Al-Aqib, la connexion était plus matérielle et plus concrète. Pourquoi le juge aurait-il choisi d'emporter comme souvenir de la Mecque un objet si simple qu'un bout de corde? Pourquoi cette corde a-t-il été considérée comme précieuse? De quelle manière cet objet a-t-il facilité la reconstruction de la mosquée de Saint-Coré? Et plus important encore, comment a-t-il pu investir cette mosquée d'Afrique occidentale d'une partie de l'aura sacrée de la Mecque? Voilà le sujet de cette première conférence. Pour commencer à répondre à des questions fondamentales, nous devons cependant faire un long détour, et un très long détour il faut dire, et quitter la périphérie occidentale du monde islamique pour aller vers son cœur spirituel, le sanctuaire de la Mecque, le lieu d'origine de la corde ou ficelle rapporté à Tombouctou en 1581. Les géographes médiévaux commencent souvent leur récit du monde par une description de la Mecque, la mère des villes. Le pèlerinage à la Mecque, c'est un des 5 piliers en arabe arcain au principe de l'islam. Contrairement au petit pèlerinage, ou omra, un pèlerinage qui peut être entrepris à tout moment de l'année, le pèlerinage du Hajj est obligatoire pour tous les musulmans adultes, sains d'esprit et de corps, qui ont les moyens de le faire. Il s'agit d'un événement collectif entrepris dans la première semaine de Dhul-Hijja, le dernier mois du calendrier islamique. Au cœur de la Mecque se trouve le sanctuaire focal de l'islam, la Kaaba, appelée la maison al-Bayt, ou la maison de Dieu, Bayt Allah, dont la forme cubique est bien connue. La Kaaba est l'omphalos de la géographie sacrée islamique. Depuis tous les coins du monde, les mosquées et les prières sont orientées vers elle. Tout comme les cartes chrétiennes médiévales qui présentent Jérusalem comme le centre du monde, certaines traditions de la cartographie et de la géographie islamique montrent le contour noir facilement reconnaissable de la Kaaba comme le point focal de la cosmographie terrestre. Dans sa forme actuelle, la Kaaba est un cube de pierre irrégulier
avec des côtés dont la longueur varie, et ses quatre coins sont plus ou moins orientés vers les points cardinaux. Elle est couverte d'un textile qui soit renouvelé chaque année. Sa façade fait face au nord-est et une célèbre pierre noire est encastrée dans son angle est, l'angle est du bâtiment ici. Dans le cadre des rites de pèlerinage, les pèlerins tournent autour du sanctuaire dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Le sanctuaire est situé au centre d'une enceinte qui est entourée d'un certain nombre d'autres structures qui définissent collectivement les topographies sacrées de la Mecque. Au nord-ouest se trouve le Hijr, un espace semi-circulaire défini par un mur bas, le Hatim. Au nord-est, face à la porte de la Kaaba, se trouve le Maqam Ibrahim, ou la station d'Abraham, une structure qui abrite une pierre portant les empreintes d'Abraham, fondateur du sanctuaire selon la tradition. Au nord-est est le puits appelé Zamzam, qui selon certaines traditions aurait été creusé par Abraham et dont les eaux au pouvoir guérisseur sont encore recherchées par des pèlerins de nos jours. Selon le lieu dont ils partaient, les pèlerins pouvaient passer jusque 2 ou 3 années sur le chemin de la Mecque et en cours de route, ils devaient faire face à un large éventail de dangers, des voleurs, des épidémies, des tempêtes et des guerres. Le pouvoir transformateur du pèlerinage à la Mecque est bien décrit dans un extrait du film biographique de Malcolm X, l'une des figures de proue du mouvement de libération noire aux États-Unis. La courte scène que nous allons voir montre une lettre très émouvante que Malcolm X a envoyé après son âge de 1964, moment qui a marqué un changement radical dans sa politique, passant du séparatisme noir à une politique intégrée de libération fondée sur l'islam sunnite. L'intensité du désir engendré par l'objectif d'accomplir le Hajj et par sa réalisation transparaît dans de nombreux récits de pèlerins, y compris celui de Mohamed Assad, un juif polonais qui s'est converti à l'islam et qui a fait le Hajj en 1927. Il a écrit « C'était donc la Kaaba, le bout auquel ont aspiré des millions de personnes durant tant de siècles. Pour l'atteindre, d'innombrables pèlerins de toute époque ont fait de lourds sacrifices. Beaucoup sont morts en chemin. Beaucoup n'y sont parvenus qu'après des grandes privations. Pour eux tous, ce petit édifice carré était l'aboutissement de leur désir et l'attente en marquait l'accomplissement. Comme l'illustre ce récit, le pèlerinage et une pratique de répétition et de réplication incarnée qui consiste à suivre les traces de millions de personnes durant tant de siècles, dans le mot de Mohamed Assad, et à répéter dans le centre sacré et selon un ordre approprié une série complexe de rituels prescrits autour de ce bâtiment carré, le sanctuaire focal de l'islam. L'attraction centropite du sanctuaire se fait bien ressentir dans cette œuvre de l'artiste contemporain saoudien Ahmed Matar. On voit ses mailles de fer encerclant un cube magnétisé, des particules attirées par ce cube, tout comme les pèlerins gravitant autour du sanctuaire. Pour un œil moderne, ce qui est le plus frappant quand on regarde la Kaaba, c'est cet extraordinaire aspect cuboïde.
drapé de sa robe noire, le kiswa, qui est orné de bandes brodées de textes du Coran, le livre sacré de l'islam, cette structure iconique a attiré l'attention des curieux et des fidèles depuis près d'un millénaire et demi. Sa combinaison singulière de géométrie abstraite et de formes solides a fasciné un moderniste comme Le Corbusier, qui a inclus dans son plan directeur pour la ville du futur, la ville radieuse de 1930, une image du sanctuaire. Il le décrit ainsi avec lyrisme comme une collaboration émouvante entre forme et couleur avec un sentiment élevé. Pourtant, malgré le magnétisme irrésistible de son attrait visuel, en dehors des images de la Kaaba que nous allons examiner ensemble dans la prochaine conférence, à première vue, il y a peu de preuves indiquant qu'il y ait eu des tentatives d'imiter ou de reproduire cette forme cuboïde si caractéristique dans l'architecture islamique médiévale. En 1988, Oleg Grabar, doyen de l'histoire de l'art islamique, a écrit que ni le dôme du rocher à Jérusalem, ni la Kaaba n'ont été copiés dans l'architecture islamique ultérieure et ils n'ont pas non plus influencé de manière significative le développement de cette architecture, malgré quelques exceptions. Cette situation contraste nettement avec le christianisme médiéval. En 1942, dans son étude pionnière sur les descendances architecturales du Saint-Sépulcre de Jérusalem, comme vous en avez ici, la descendance architecturale de Saint-Sépulcre de Jérusalem dans l'Europe médiévale, l'historien de l'art Richard Krautheimer a démontré que la reproduction des dédicaces, des formes ou des mesures spécifiques, seules ou en combinaison, ont suffi à conférer à un bon nombre d'églises et de baptistères européennes une partie de l'aura de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. De tels bâtiments reproduisaient la mesure ou quelques caractéristiques formelles du petit édicule en forme de dôme qui abritait le tombeau de Christ, ou les plus ambitieuses reproduisaient le rotonde au pilier au centre de laquelle se trouvait le tombeau. C'est le cas ici où on a la rotonde entière qui était reproduite à Cambridge. Durant la décennie après la parution de l'article de Krautheimer, toute une série de nouveaux monuments ont été découverts que nous pouvons classer comme des copies médiévales du Saint-Sépulcre, une série qui s'attend maintenant au-delà de l'Europe ex-occidentale pour inclure l'Arménie médiévale, l'Éthiopie et la Géorgie, par exemple. Dans le monde islamique aussi, les mosquées et les madrasas reproduisent parfois les formes caractéristiques de puissants monuments architecturaux. Mais comme l'a noté Oleg Grabar, si nous regardons les monuments survivants, il y a peu d'indices pour nous faire penser qu'on aurait tenté copier ou de reproduire cette forme cuboïde qui s'est avérée tellement irrésistible pour Le Corbusier. Pourquoi cette absence? Une explication possible réside dans la nature même de la Kaaba
et son statut unique en islam. Contrairement au pèlerinage à Jérusalem dans le christianisme, le pèlerinage à la Kaaba, à la Mecque, est obligatoire. Ce n'est pas seulement une aspiration, une ambition visant à augmenter le stock de mérite spirituel du fidèle. Certains rituels sont donc considérés comme appropriés à la Kaaba et seulement à la Kaaba. En conséquence, contrairement au tombeau de Christ, le Saint-Sépulcre, le fait de copier la Kaaba ou de reproduire sur d'autres sites les pratiques ou les rituels qui étaient associés à la Kaaba n'est pas perçu d'une manière favorable. Bien au contraire, ces pratiques ont été critiquées et dénoncées par les théologiens et docteurs de la loi islamique, les ulémas, comme inappropriées, voire même hétérodoxes. Ici, l'islam a peut-être plus de points communs avec le judaïsme qu'avec le christianisme. Les inquiétudes quant à la reproduction de la Kaaba ou sa substitution par des sanctuaires locaux pourraient être comparées, par exemple, à celles associées dans le judaïsme au temple juif à Jérusalem, détruite à une époque ancienne mais connue par des descriptions textuelles. Même si c'était connu, cependant, le Talmud babylonien interdit expressément la pratique de, c'est une citation, la pratique de bâtir une maison qui reproduise exactement la forme du temple, ou une porche qui est la forme du porche du temple selon ses dimensions, sa longueur et sa largeur. Et pourtant, malgré la tentative de réglementer ou même interdire la reproduction de la Kaaba, un large corpus de textes et d'inscriptions du monde islamique médiéval atteste de la construction de monuments censés reproduire certains aspects du sanctuaire à la Mecque ou même la topographie de la ville sainte. La première indication de l'existence de ces structures se trouve peut-être dans un passage écrit durant le Xe siècle par le géographe de Jérusalem, Al-Muqaddasi. Il écrit au sujet de la ville de Samarra en Irak, et Samarra est jusqu'ici, qui était la capitale du califat abbasside et donc la capitale du monde islamique, pendant quelques décennies après la fondation de la ville en 836 par le calife Al-Mutasim, le chef de la communauté musulmane sunnite. Al-Muqaddasi, dans le Xe siècle, a écrit, la ville se situe sur la rive est de la rivière, et c'est vue aérienne de Samarra à gauche. La ville se situe sur la rive est de la rivière, tandis que sur la rive ouest se déploient des vastes jardins. Al-Mutasim, c'est le calife, y a également érigé un bâtiment de la taille ou du volume de la Kaaba, et y a aménagé une promenade pour la circumambulation. Il a également créé des lieux qui ressemblent à Mina et à Arafat, qu'il imposait à certains émirs à son service lorsqu'ils demandaient à faire leur pèlerinage, le Hajj, craignant qu'ils ne quittent son service. Ce passage suggère une tentative de recréer en Irak des éléments clés du paysage sacré de la Mecque, y compris une sorte d'ersatz de la Kaaba, avec la même taille ou le même volume que l'original, destiné à créer les rites associés au Hajj, au pèlerinage. Il s'agit notamment des rites de circumambulation, le Tawaf, et des rituels que les pèlerins accomplissent dans la plaine de Mina
et du mont Arafat, qui sont des sites près de la Mecque. Malcolm X a parlé de ces sites dans l'extrait que vous avez vu. Les historiens racontent que cela avait pour but de permettre aux soldats turcs du calife de s'acquitter de leurs obligations religieuses sans qu'ils aient besoin de se rendre directement à la Mecque, car en faisant un tel voyage, ils risquaient éventuellement de trouver meilleur emploi ailleurs, quittant ainsi le corps abbasside. Il a été suggéré que la Kaaba, qui est décrite dans ce texte, pourrait être identifiée avec le Kubat al-Sulubiyya, une structure octogonale surmontée d'un dôme actuellement en ruine à Samarra. Cette structure est unique à Samarra. Bien qu'elle ait servi de mausolée, cette fonction funéraire relève peut-être d'une utilisation secondaire. Néanmoins, l'idée qu'un monument identifié comme étant une copie de la Kaaba ait pu être utilisé comme monument funéraire est particulièrement intéressant. En effet, des références ultérieures à d'autres structures ressemblant à la Kaaba que nous trouvons dans les textes médiévaux sont souvent associées à des cimetières et des tombeaux. Prenons, par exemple, le tombeau construit à Alep, en Syrie du Nord, pour Abul Hassan Ali ibn Bakr al-Harawi, ascète, érudit et écrivain, en 1206. Plusieurs écrivains médiévaux nous disent qu'il s'agissait d'une copie de la Kaaba. De plus, une inscription au-dessous d'une fenêtre dans le tombeau, là, nous informe que ce mausolée est ressemblant à ou une copie de, le terme arabe c'est mithal, de la Kaaba. Ici, nous avons un cas très très rare où les chroniques et les inscriptions documentées coïncident dans l'identification d'un monument survivant comme étant une copie de la Kaaba. Mais le tombe se composait d'une cour, ici, c'est le cour et le sarcophage, là, dans le cour de Al-Harawi, et deux ou trois chambres derrière la cour. Le tombeau se composait d'une cour et d'une série d'espaces rectangulaires interconnectés. Il semble donc avoir eu peu de ressemblance visuelle avec la forme cuboïde si caractéristique de la Kaaba. Cependant, le tombe a été enserré dans un paysage qui contenait plusieurs sites dont les noms évoquaient les sites clés de la topographie de la Mecque. C'était sans doute, sans aucun doute, pertinent pour son identification comme une copie de la Kaaba. Mais il peut y avoir plus que cela. Parmi les livres écrits par Al-Harawi, qui a fait construire ce tombeau, il y a un livre célèbre sur le pèlerinage qui contient une description de la Mecque et de Médine, la ville au nord de la Mecque, où le prophète Mohammed est enterré. Tout comme de nombreuses autres descriptions médiévales du sanctuaire de la Mecque, le récit d'Al-Harawi met l'accent sur les mesures et les nombres. Il écrit « Le périmètre de la Kaaba est 93 coudées, dont la mesure, la plus petite, et celui de Hijr, l'espace en demi-cercle à l'ouest de la Kaaba, de 56 coudées. Entre le Hijr et l'angle, c'est l'angle est qui contient contenant la pierre noire, se trouve 6,5 coudées. Le coupole de Zamzam, le puits sacré, est de 69 coudées. Le périmètre de l'enceinte sacrée de la Mecque est de 840 coudées. L'enceinte sacrée possède 22 portes, et si j'ajoute les petites portes
elle en compte 36. Il n'y a pas beaucoup de narratives dans cette... Ce genre de description est typique, absolument typique, des récits médiévaux de la Mecque et aussi d'autres sanctuaires meilleurs à Médine et à Jérusalem, dès le 10e siècle, au moins le 10e siècle. Dans ces récits sont données les principales informations sur les monuments et les rapports entre les structures sont traduits par des chiffres et des statistiques, ce qui donne finalement une perception chiffrée et numérale de l'ensemble. L'apparence visuelle joue un rôle secondaire dans ces descriptions et parfois l'apparence visuelle n'est tout simplement pas évoquée. Étant donné que Al-Harawi, qui a écrit ce passage, pour qui le tombeau décrit comme une copie de la Kaaba a été construite, étant donné qu'il était très sensible à l'enregistrement et à la transmission de chiffres et de mesures, la référence à la Kaaba dans sa tombeau peut relever du fait qu'il a reproduit certaines dimensions de la Kaaba ou du sanctuaire de la Mecque en général. Surtout, cette relation avec la Kaaba resterait invisible pour l'observateur occasionnel en l'absence d'inscriptions ou de textes annonçant la relation avec la Kaaba et la Mecque. Dans le monde islamique médiéval, plutôt que les dessins, ce sont les descriptions verbales et textuelles qui étaient les principaux vecteurs de transmission des connaissances architecturales sur des longues distances. Bien qu'il ait des références très occasionnelles aux maquettes architecturales, les maquettes de la Kaaba et de la mosquée du prophète Mohammed à Médine, comme ceci, ne sont documentées que beaucoup plus tard, dans la période ottomane. Comme les maquettes du Saint-Sépulcre et d'autres sites chrétiens en Palestine produits au XVIe et au XVIIe siècle, ceux-ci sont beaucoup plus susceptibles d'avoir servi de souvenir de pèlerinage que de plan pour bâtir des copies architecturales de ces édifices. En revanche, l'accent mis sur la mesure et le nombre dans les descriptions médiévales de la Mecque suggère que dans leur désir de rendre les lieux sacrés de l'Arabie disponibles à un public plus large, les écrivains médiévaux trouvent que les mesures sont aussi importantes que les formes et peut-être même plus importantes que la forme. Cette observation pourrait nous donner un indice pour expliquer pourquoi si peu des bâtiments médiévaux semblent avoir été conçus pour imiter la forme de la Kaaba, même lorsqu'ils sont explicitement identifiés comme des copies de la Kaaba. En fait, il y a plusieurs autres références à des structures identifiées comme des copies de la Kaaba qui suggèrent que la mesure, plutôt que la forme, était un critère absolu pour signifier le lien avec la Kaaba dans les monuments très éloignés de l'Arabie. Parmi eux, on peut citer la mosquée de Vendredi de Mandou, dans le centre de l'Inde, achevée en 1454. L'inscription de fondation en persan, placée au-dessus de l'entrée, contient deux affirmations remarquables. Premièrement, que chaque pilier du mur qui entoure la mosquée est une copie, une nusra, de ce qui entoure le sanctuaire de la Mecque. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus intriguant, l'inscription indique que la plaine ou la fondation de cette mosquée indienne a été posée en suivant la fondation de la mosquée de Vendredi de Damas, bâtie 700 ans plus tôt, et située à plus de 3 000
500 kilomètres à l'ouest de la mosquée de Mandou. La mosquée de Damas était considérée comme une des merveilles du monde et il est probable que ses caractéristiques étaient connues en Inde à partir des nombreuses descriptions textuelles de Damas qui ont circulé à cette période. Plus révélateur encore est le fait que ce lien avec Damas a été établi dès la fondation de la mosquée de Mandou, probablement par la réplique de mesures spécifiques, ce qui peut aider à expliquer pourquoi il y a peu de similitudes évidentes entre la mosquée de Mandou, le sanctuaire de la Mecque et la mosquée de Vendredi de Damas. Dans tous ces récits, cette insistance sur les mesures et les superficies plutôt que la forme nous donne un moyen potentiel de comprendre pourquoi les inscriptions ou les descriptions des monuments affirment qu'ils sont ressemblants à la Kaaba, sans qu'il n'y ait apparemment aucune similitude visuelle. La mesure figure parmi les qualités essentielles que d'autres traditions monothéistes aussi ont reconnues comme capables de créer des relations entre les centres sacrés et les sanctuaires régionaux. D'un côté, en effet, le Talmud et le rabbin interdisaient la construction d'édifices qui reproduisaient non seulement la forme ou les formes du temple juif de Jérusalem, mais aussi la mesure de sa hauteur, de sa longueur ou de sa largeur. Par contre, les mesures ont joué un rôle central et très positif dans la volonté des chrétiens du Moyen Âge de porter Jérusalem chez eux, d'amener quelque chose de l'aura de la ville sainte dans leur pays respectif. Puisque le rôle des mesures dans le pèlerinage chrétien est bien documenté, très bien documenté, il vaut la peine d'examiner ce que nous en savons avant de revenir enfin à Tombouctou, où j'ai commencé. J'ai déjà dit que c'était un détour très long, mais on est sur la route. Dès le VIe siècle, les pèlerins chrétiens utilisaient des tissus et des rubans pour prendre la mesure du corps du Christ à partir de marques identifiées comme l'empreinte de ses mains et de ses pieds laissées sur les pierres de Jérusalem. Des coutumes similaires sont documentées un peu plus tard pour le tombeau de Christ, que les pèlerins mesuraient avec des cordes, des rubans ou des ficelles qu'ils apportaient ou achetaient sur place parmi la vaste panoplie d'accessoires qu'on vendait aux pèlerins à Jérusalem. Ces cordes, rubans ou ficelles étaient un moyen de matérialiser l'abstraction des mesures. Ils produisaient ce qu'on peut appeler des reliques métriques, des mesures portatives qui possèdent une valeur reliquaire pour deux raisons. D'abord, parce que ces objets, ces ficelles, ces cordes, ces cordons, ont été en contact direct avec les sites sacrés dont ils reproduisaient les dimensions. Deuxièmement, parce qu'ils reproduisaient la mesure, une qualité essentielle et fondamentale de ces sites. Les reliques métriques produites au moyen de telles mensurations pouvaient être rapportées chez soi, portées comme des amulettes, offertes ou vendues à ceux qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage à Jérusalem, ou même utilisées pour générer d'autres reliques métriques coupées à la même longueur. De cette façon, la mesure, une qualité abstraite, rentre dans une réalité matérielle en tant que marchandise, des reliques ou des souvenirs que l'on peut acheter, collectionner, donner, vendre, copier, reproduire et vénérer. Le plus important et le plus populaire de ces reliques métriques sont des mensurations prises à partir de le tombeau du Christ,
qui donne donc la mesure de Christ, la mensura Christi. Vers l'an 1000 de l'ère commune, une version de ce type de relique à la chelle était entrée en circulation dans les manuscrits sous la forme d'une ligne abstraite censée reproduire une proportion donnée du corps du Christ si on le multiplie un certain nombre de fois, donnera la longueur de son corps. L'un des exemples les plus anciens apparaît dans un manuscrit français au début du XIe siècle relatif à l'astronomie et au calcul, où une ligne verticale est considérée dans le texte qui l'accompagne comme donnant la mesure de Christ quand on le multiplie par 16. Le texte nous explique que la mesure aurait été prise non pas à Jérusalem, mais sur un croix d'or à Saint-Sophie à Constantinople, elle-même, c'est la croix, réalisée après une mesure du corps de Christ qui aurait été rapportée de Jérusalem au VIe siècle. Et des autres exemples, des autres manuscrits médiévaux chrétiens de la même mensura Christi, la mesure de Christ. Reproduit dans de nombreux manuscrits, ces mesures fractionnaires connaissaient une immense popularité, circulant pendant des siècles en France, en Allemagne, en Italie et même dans des endroits aussi reculés que l'Irlande. En plus de fonctionner comme des reliques à part entière, les mesures prises à Jérusalem pouvaient également être utilisées en tant que médiateurs pour transporter des mesures sacrées et leur permettre d'être incorporées dans des églises bâties loin de la Palestine. En 1036, par exemple, Monsieur Meinwerk, l'évêque de Paderborn, dans le centre de l'Allemagne, envoie un émissaire à Jérusalem pour mesurer la basilique et le tombeau de Christ afin de pouvoir construire sa propre église du Saint-Sépulcre en allemand, selon les dimensions du sanctuaire de Jérusalem. Cette pratique se poursuit au cours des siècles suivants. À Görlitz, dans l'est de l'Allemagne, par exemple, un certain nombre de sous-sanctuaires se trouvant à l'intérieur de le complexe du Saint-Sépulcre à Jérusalem ont été reproduits en plein air, dans la même séquence et espacés à la même distance relative qu'à Jérusalem. Le mécène de Görlitz, un chevalier de Saint-Sépulcre, s'était rendu à Jérusalem en 1465 avec un maître d'œuvre chargé de prendre ses mesures. Même la reproduction la plus abstraite et minimaliste possible des mesures aurait pu servir à convoquer la réalité du Saint-Sépulcre. Parmi les exemples les plus remarquables, on trouve deux lignes marquées sur le mur nord du cloître cistercien de Bebenhausen en forêt noire en 1492, accompagnées d'une inscription en latin. Donc, on est là et là, et c'est un des deux. L'une, mesurant 173 cm, est identifiée comme étant la longueur réelle de la tombe de la Vierge à Jérusalem. L'autre, qui est ici, mesurant 201 cm, est identifiée comme la vraie longueur, longitude vera, du sarcophage du Christ. En dessous, ici, se trouve une forme rectangulaire mesurant 24 sur 50 et 1 cm, ce qui donne la profondeur du sépulcre du Christ. À cette époque, les pèlerins soient achetaient des cordons ou des cordes prédécoupées à la longueur du tombeau de Christ, soit prendre ces mesures eux-mêmes pendant leur pèlerinage. Les reliques de l'église du palais de Wittenberg, théâtre de l'événement le plus célèbre de la Réforme, par exemple, comprenaient un tableau peint qui donnait la longueur du corps de Christ, mesuré à partir de sa tombeau par Frédéric III
électeur de Saxe, mort en 1525. Il a mesuré lors d'un pèlerinage à Jérusalem, lui-même. Parmi les pratiques de mensuration des pèlerins chrétiens, nous trouvons un point de chevauchement avec les activités de certains pèlerins musulmans qui ont mesuré les sanctuaires qu'ils visitaient à Jérusalem et dans d'autres grands lieux de pèlerinage islamiques. L'érudit persan Nasri Khosrow, qui a visité Jérusalem en 1047, donne les dimensions des principaux monuments et le nombre des colons qui chacun contient. Ce n'est pas la plus excitante chose à lire, en fait. Mais en nous disant qu'il voulait mesurer les monuments du Haram al-Sharif, l'enceinte où se trouve le Dôme de Rocher, et les dessiner dans son journal. Mais, constate-t-il, les mesures de base étaient déjà fournies dans une inscription en pierre située dans la partie nord du sanctuaire, entre deux des portes principales de l'enceinte, ce qui donne soit une longueur de 704 coudées et une largeur de 455 coudées. C'était déjà fait pour lui, en fait. La même inscription était reportée par d'autres voyageurs plus tard. Malgré sa présence, les érudits et les savants musulmans qui ont visité le sanctuaire de Jérusalem plus tard ont parfois pris les mesures du sanctuaire eux-mêmes à l'aide de cordons. Dans l'Orient byzantin, comme dans l'Occident chrétien, on recourait à des cordes ou des cordons pour des levées de superficie, pour la transposition de mesures et pour l'implantation des bâtiments, selon les pratiques illustrées dans les manuscrits de l'époque comme celle-ci. Ici, nous avons, dans un rêve, la dimension de Cluny III révélée à la moine par des trois saints, ici, qui utilisent des cordons. Et ici, presque la même chose, le prophète Josué, il supervise la mensuration du territoire par des hommes qui utilisent des cordons. Les cordons ou cordes coupées à la longueur des lieux de pèlerinage étaient donc des variantes sacralisées d'une technologie de médiation et de mesure d'usage standard pour la mensuration et la construction des monuments. Dans le monde médiéval oriental et occidental, des unités de mesure étaient souvent anthropométriques, c'est-à-dire dérivées des appendices de corps, des doigts, des paumes, des mains, des bras. Il n'est donc peut-être pas surprenant que les récits de pèlerins médiévaux qui mesurent les sites sacrés soulignent à quel point la prise de mesures sacrées peut rentrer dans l'expérience intime, personnelle du pèlerin. Dès le 7e siècle, les pèlerins affirment avoir mesuré de leur propre main le tombeau de Christ. Or, il y a des récits occasionnels d'activités similaires entreprises par des pèlerins musulmans sur des sites sacrés d'Arabie. L'un des plus intéressants se rapporte au pèlerinage de l'ascète et soufi andalou Ibn Masara, mort en 931, qui a voyagé à Médine, où le prophète Mohammed a vécu et où il est enterré. À Médine, Ibn Masara a développé un attachement particulier pour une petite maison d'une femme du prophète contenant une banque sur laquelle le prophète Mohammed s'asseyait souvent. S'asseyant régulièrement sur cette banque près de trois siècles après la mort du prophète, Ibn Masara a copié et a répété les gestes du prophète Mohammed sur les sites même où le prophète avait prié ou s'était assis. Cependant, en plus de répéter les gestes du prophète, Ibn Masara a pris la mesure d'une de ces petites salles de prière de cette maison avec la paume de sa main.
Après son retour à Cordoue, à plus de 6000 km à l'ouest de Médine, Ibn Masara a construit un ermitage dans les montagnes en dehors de la ville de Cordoue, selon les dimensions qu'il a mesurées à Médine. Les récits contemporains nous disent qu'Ibn Masara a souligné que ces mesures avaient été transférées directement à partir de Médine sans avoir rien ajouté, ni en longueur, ni en largeur, à la pièce qui existait dans la maison à Médine. C'est clair que l'expérience et la connaissance de la mesure seraient donc intrinsèques à l'expérience de site sacré. Contrairement à la conception moderne de la mesure comme un aspect purement quantitatif du monde, dans les cas que j'ai évoqués ce soir, la mesure avait également une dimension qualitative. Les pèlerins chrétiens à Jérusalem racontent souvent, par exemple, la grande joie que leur a procuré la mesure des lieux saints. En même temps, les textes arabes décrivant la prise de mesure sur des sites sacrés indiquent à plusieurs reprises qu'elles ont été reproduites exactement, sans rien ajouter ni soustraire. Cependant, contrairement au pèlerinage chrétien à Jérusalem, il y a à ma connaissance peu de preuves de la production en série de cordons ou de rubans découpé aux dimensions de la Kaaba ou de la tombeau du prophète Mohammed à Médine ou même des sanctuaires islamiques de Jérusalem, des cordons destinés à être vendus aux pèlerins musulmans. Il y a une différence avec le pèlerinage chrétien. Au lieu d'être une pratique généralisée ou popularisée, la prise de mesure à partir de ces sites sacrés islamiques semble avoir été limitée à une élite savante, à ceux qui avaient un accès privilégié, qui ont mesuré le site sacré islamique et enregistré et transmis leurs dimensions dans leurs textes au profit de futurs pèlerins et érudits. Ce lien avec le monde d'érudition peut en fait être indiqué dans les textes et l'inscription médiévale qui désignent certaines mosquées et certains tombeaux comme des copies de la Kaaba. L'inscription dans le tombeau de Al-Harawi à Alep, que nous avons rencontré un peu plus tôt, par exemple, la décrivent comme un mithal de la Kaaba, en utilisant un terme arabe pour copie qui se réfère couramment à la copie de manuscrits. De la même manière, le texte de fondation de la mosquée de vendredi de Mandou l'a décrit comme un nusra du sanctuaire de la Mecque en utilisant un terme d'origine arabe qui est également utilisé pour la copie des manuscrits. Il est donc possible que le concept et le langage de la copie architecturale empruntés à la longue tradition de copie de manuscrits, une des pratiques de copie le plus courante et le plus répandue dans le monde islamique médiéval. Revenons ainsi, enfin, au bâtiment par lequel nous avons commencé cette conférence, la mosquée de Sankore à Tombouctou. Parmi les élites érudites ou savantes autorisées à prendre des mesures à la Mecque, il y avait ce cadi ou juge connu sous le nom de Al-Aqib, médecin de la mosquée Sankore. Selon un récit datant du XVIIe siècle, le juge de la mosquée a effectué le Hajj, c'est en 1581, et, ayant accompli son pèlerinage, s'apprêtant à partir et à reprendre la route de Tombouctou,
Le juge demanda au serviteur de la noble Kaaba l'autorisation de déterminer la mesure de la Kaaba en longueur et en largeur. Avec son accord, il les mesura à l'aide d'une corde ou d'une ficelle, sur lequel il marqua les deux dimensions, puis emporta cette corde qui lui servait de mesure. Lorsqu'il fut prêt à construire la mosquée Saint-Corée, il déroula le cordon et, au moyen de quatre piquets plantés sur les quatre faces, délimita le site sur lequel il souhaitait construire et il y édifia le bâtiment qui avait exactement les dimensions de la Kaaba sans rien ajouter ni soustraire. Le côté explicite de ce récit est inhabituel dans les sources islamiques. En fait, il y a peu de raisons de penser que le port ou l'achat de cordons pour mesurer les mosquées et les sanctuaires de la Mecque et de Médine était une pratique courante des pèlerinages islamiques au Moyen-Âge, comme c'était le cas dans les sanctuaires chrétiens de Jérusalem. Au contraire, le fait que le juge de la mosquée de Saint-Corée à Tombouctou a été autorisé à mesurer la Kaaba par lui-même renforce l'impression que de telles activités étaient l'apanage d'une élite religieuse et savante privilégiée. C'est ainsi qu'a pu être reproduite la Kaaba à Tombouctou, située à 4400 km à l'ouest de la Mecque, non pas par sa forme, mais par les deux dimensions de son plan, c'est-à-dire la longueur et sa largeur. Selon une tradition locale, ce sont les dimensions de la cour intérieure de la mosquée de Saint-Corée qui correspondent à celles de la Kaaba. Et ici, j'ai essayé de mettre dans la cour le plan de la Kaaba ici. Plus ou moins. En fait, la superficie de la cour antérieure est légèrement plus grande que celle de la Kaaba. Mais ce qui est significatif est l'idée que la relation à la Kaaba n'était pas dans la reproduction de sa forme cubaïde caractéristique, mais plutôt dans l'incorporation de ses mesures dans la mosquée de Saint-Corée. Pour aller plus loin, on pourrait souligner le fait que, malgré l'absence apparente des copies de la Kaaba, les preuves épigraphiques et textuelles indiquent qu'il y a eu, en fait, des tentatives pour évoquer la Kaaba dans des structures érigées dans des régions aussi diverses que l'Anatolie, l'Égypte, l'Inde, l'Irak, la Syrie et le Mali. Nous pouvons comprendre ces structures à la fois comme des réponses au pèlerinage, mais aussi comme des rappels de son caractère obligatoire, le caractère obligatoire de le pèlerinage. À l'occasion, ces édifices ont peut-être fonctionné comme des substituts à la Kaaba pour ceux qui ne pouvaient faire le pèlerinage. Cependant, les rites du pèlerinage sont à la fois convenus et compliqués. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pèlerins s'entraînent avant de se rendre à la Mecque, parfois sous des maquettes de la Kaaba. Donc, il est également possible que certains des bâtiments et des paysages décrits comme des copies ou des représentations de la Kaaba aient joué un rôle didactique, permettant aux pèlerins de préparer les rites de pèlerinage à l'avance. Bien qu'il soit éphémère, le cordon qui a été transporté de la Mecque à Tombouctou en 1581 était un dispositif technique simple utilisé pour la matérialisation et la médiation de la mesure. C'est une excellente illustration de la technologie au service de la dévotion, ce que rejoint les thèmes de mes conférences de la chaire du Louvre. Technologie.
c'est l'application des connaissances spécifiques à des fins pratiques. Technologies de dévotion sont des ensembles de connaissances mis à disposition sous forme matérielle pour permettre la médiation du sacré. L'idée que la médiation technologique est intimement associée à la pratique dévotionnelle peut sembler paradoxale, du moins pour un public moderne habitué à considérer la technologie comme un phénomène de modernité séculaire. Mais comme j'espère le démontrer dans les conférences à suivre, les pratiques de dévotion dans l'islam, caractérisées par la copie, la sérialité et les productions de masse, sont étroitement liées à des moyens technologiques de duplication et de reproduction bien avant l'ère moderne de la production en masse. L'idée de copie et de série inclut à la fois des actes et des objets, des processus et des produits, comprenant à la fois des rituels incarnés de pèlerinage, par exemple, et en même temps les souvenirs produits pour permettre aux pèlerins d'emporter avec eux les bénédictions associées à des sites ou des reliques spécifiques. Cette capacité paradoxale des objets matériels à transmettre les bénédictions immatérielles et invisibles associées à des individus ou à des sites n'est pas spécifique à l'islam, bien évidemment. Même si le principe n'était et n'est pas universellement accepté, la pratique de rendre les lieux sacrés portables sous forme matérielle était et est très courante. La prise de mesure par les pèlerins médiévaux sur des sites sacrés fournit un excellent exemple. La pratique a été comparée à la pratique moderne des touristes qui prennent des clichés des œuvres d'art ou des sites qu'ils visitent. Cette comparaison banale avec la culture moderne de souvenirs est trompeuse. Cependant, elle rappelle également la croyance répandue que la photographie analogique, pas digitale, mais analogique, capture une trace de son sujet, imprimée sur le film photographique, comme une empreinte ou un masque mortuaire. La mesure est une qualité essentielle que l'on tire d'un monument, d'un objet ou d'une personne, tout comme un masque mortuaire ou une photographie prend ou capture leur image. Contrairement à une photographie, les mesures prises à partir d'un prototype vénéré et reproduites dans des bâtiments désignés comme des copies de la Kaaba n'ont pas de similitude visuelle avec ces prototypes. Au contraire, ils sont une espèce de manifestation de ce que Georges Didier Huberman a appelé la ressemblance par contact. La ressemblance par contact est une qualité de relation fondamentale, mais qui reste souvent inaperçue et invisible. En l'absence d'inscription ou de texte, nous informons qu'un édifice par ailleurs banal ressemble en quelque sorte à la Kaaba, par exemple, la relation reste invisible et introuvable. Ce phénomène pose ainsi un défi important pour le spectateur moderne, habitué à voir la copie architecturale en termes de ressemblance formelle ou visuelle ou en termes de reproduction photographique. Pour souligner ces points, je voudrais terminer en opposant, en mettant en face à face, deux structures qui font référence à la Kaaba de manière très différente. La première, à gauche, c'est la mosquée Beit al-Makarim à Dhaka, Bangladesh. Construite dans les années 60, la plus grande mosquée de la capitale de Bangladesh,
reproduit fidèlement non seulement la forme cuboïde de la Kaaba, bien qu'en négatif blanc par rapport au positif noir de la Kaaba, mais aussi son décor en arcade. L'élimination de toute ornementation montre l'influence de l'esthétique moderniste avec la mise en avant emphatique de la forme cuboïde pure qui a exercisé un tel attrait sur Le Corbusier. Pour Le Corbusier, l'analyse au niveau de la forme permet une comparaison entre cultures, mais aux dépens de sens et de contexte. Comme pour souligner ce point, l'emphase de Le Corbusier sur la valeur formelle de la Kaaba l'amène à confondre le sanctuaire central de l'islam à la Mecque avec le tombeau du prophète Mahomet, qui se trouve en réalité à 200 km au nord dans la ville de Médine. Plus proche des méthodes médiévales d'évoquer la Kaaba, dont j'ai parlé ce soir, est une œuvre récente par l'artiste britannique Idris Khan, intitulée « Seven Times, sept fois ». Le titre évoque le nombre de fois où les pèlerins effectuent des circumambulations autour de la Kaaba, soulignant la centralité de la répétition et la sérialité des rituels de pèlerinage. Cette idée est renforcée par l'inscription des prières récitées cinq fois par jour par des musulmans observateurs, 144 cubes d'acier sombre, rappelant la forme de la Kaaba, la structure vers laquelle chaque cycle de prière est dirigé. En ce qui nous concerne toutefois, le fait le plus intéressant est la suggestion que la surface carrée occupée par les 12 par 12 rangées de cubes d'acier répétées occupe exactement la même surface, la même superficie de la Kaaba. En ce sens, cette œuvre si contemporaine pourrait s'inscrire dans une tradition beaucoup plus longue. En réalité, les parallèles entre les sujets et le support d'œuvres emblématiques du modernisme et du postmodernisme et l'art de dévotion du monde islamique pré-moderne sont variés et nombreux. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de ma deuxième conférence. Et je voudrais dire aussi que je serai très content et à votre disposition de prendre des questions, mais je vais attendre la fin de la deuxième question pour le faire. Mais après, pour la deuxième et après, je serai très content de répondre aux questions. Merci beaucoup pour votre patience ce soir.